Good morning, allez, Iden, les Suisses, aujourd'hui, le Nishmat, le Rabbi Shmuel, le Shlomo Zalman, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim, Ben Sarah, ainsi que dire Fouat, Sarah Bat Beti Rivka, Betor Shah, Holé Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Menachot, Perikyud, Mishnatet, Kotsrin, Mipene Hanetiot, Mipene Bet Ha'Evel, Mipene Bitul Bet Amidrash, Loya Seotan Krichot, Aval Manichan Tzvatim. Mizata Omer la Vomina Kama, Lomatsa Yavimina Omrim, Mitzvato la Vomina Lach, Lomatsa Yavimina Yavesh, Mizato l'Ixorba Laila, l'Ixorba Yom, Kacher, Vedoche et HaShabbat. Bon, dernière Mishnah sur le Korban à Omer. On a jusqu'à dans tout ce Perek, si vous avez fait attention, on a étudié toutes les mitzvot du Korban à Omer le 16 Nissan, le lendemain du premier jour de Pessah. D'accord, du Yom Tov, quand nous on commence à compter le compte du Homer, eh bien à l'époque du Beth Amikdash, il y avait tout un très joli rituel à faire. On partait dès la sortie de Pessah de Yom Tov, on partait dans les champs pour cueillir de l'orge avec une grande ambiance comme ce qu'on avait appris. Et donc on cueillait de l'orge encore frais, on l'apportait au Beth Amikdash, on le faisait griller pour le sécher. Après il fallait le moudre et en faire ensuite une mincha après avoir tamisé, c'était tout un procédé qu'on a pris pendant tout ce perek. On a appris une autre notion aussi importante, c'était l'interdit de consommer de la nouvelle récolte tant que l'on n'a pas fait le corban du homer, d'une part, et aussi l'interdit de cueillir les nouvelles récoltes, de moissonner les nouvelles récoltes tant que l'on n'a pas fait le rituel du homer. Et on apprenait qu'il y avait quelques petites variations. Sur ce point-là précisément, je vous le dis, ça va nous aider maintenant pour tout de suite. Alors, on n'a pas le droit de... on avait appris donc qu'on n'a pas le droit de cueillir les nouvelles récoltes tant qu'on n'a pas cueilli le homer d'orge que l'on va apporter. Mais on apprenait quelque chose de très important. C'est que si c'est un champ duquel on ne peut pas apporter le homer, on ne prévoit pas d'apporter le homer, alors on aura le droit de le cueillir. Et c'est ce que la Mishnah enseigne. Kotsrin mipenei hanetiot. Une des explications de la Mishnah. Kotsrin mipenei hanetiot. On a le droit de cueillir une céréale, du blé ou de l'orge, mipenei hanetiot, quand on le fait à cause des racines d'arbres. C'est-à-dire, on est en train de parler quand on a un verger où il y a des arbres dedans, et il y a dedans de l'orge aussi qui est plantée. La Mishnah vient me dire, tu sais quoi, tu as le droit de cueillir cette orge. Pour quelle raison? Première interprétation du Bartinoa, c'est parce qu'on apprenait beaucoup plus haut, en fait, dans un autre Perek, je crois que c'était Perek Hey ou Vav, je ne sais plus, dans le Perek précisément Kol Menachot, qu'on apprenait quelque chose que lorsque le Homer, il pousse dans un champ où il ne réussit pas à se développer comme il faut, parce qu'il y a en l'occurrence d'autres arbres qui sont là, qui puisent les forces du sol, alors le homer, il n'est pas bon. On n'apportera pas le l'orge, il n'est pas assez riche, et donc on ne l'apportera pas de ce champ. De ce fait, la Mishnah vient enseigner, si tu veux, si tu as un champ où il y a des arbres, tu as le droit d'aller cueillir l'orge qui pousse au milieu, parce que l'orge ou le blé, parce que là, dans ce cas-là, tu n'as pas de misère d'apporter de ce champ. Tu devras l'apporter d'ailleurs, d'accord? Et deuxième interprétation, bon, je préfère avancer. Mi pene bet ha'evel. La Mishnah m'enseigne encore que j'ai le droit aussi de cueillir du blé ou de l'orge, une céréale, avant le 16 Nissan, si on le fait parce qu'il y a une maison endeuillée ou parce qu'il y a un bitul betamidrash, que l'on n'a pas de lieu où se poser pour en faire un cours. Il y a un grand rave qui veut donner. Le rave veut donner son cours, il n'a pas de lieu où le faire, il n'y a qu'un champ. Maintenant, le problème de ce champ, c'est qu'il y a dedans du blé et de l'orge. Eh bien, on a le droit de partir moissonner le champ pour pouvoir permettre aux bachourim, aux jeunes gens, de s'asseoir pour que le rav leur enseigne la Torah. Maintenant, la singularité de la permission de cette. Et Beth Avel aussi, c'est la même chose. Une maison endeuillée, il y avait l'usage après avoir enterré le mort. Alors, les endeuillés, il y avait tout un rituel, les mahamadot, ce qu'ils devaient s'asseoir et tout ça. Il y en a qui s'asseyaient et qu'on venait leur présenter les condoléances. Et la raison donc de cette permission de couper le blé du champ avant l'heure pour pouvoir permettre sauver le terrain, bien qu'il y ait en théorie un interdit de cueillir, eh bien la raison elle est parce que la Torah m'a dit « Réchit ketzirechem » lorsque tu cueilleras pour ton profit, alors tu apporteras le homer en premier.
que tu cueilleras le homard en premier. Mais lorsque tu veux couper ton champ, pas pour ton profit, pour un autre profit, de respect du mort, ou bien tout simplement pour l'honneur de la Torah, alors là, tu auras le droit de couper ton homard. De moissonner ton blé ou ton manche. Lo yaase otan krechot aval manichan tzvatim. Même lorsque je te permets de cueillir de l'orge, ne va pas ensuite en faire des grandes gerbes, des krechot, des grandes gerbes, mais plutôt des tzvatim. Alors, deux interprétations là aussi. Est-ce que on parle qu'il va les mettre en groupe, c'est-à-dire tu les réunis, c'est-à-dire je m'exprime en vue. On va prendre par exemple le 10, 12 Nissan. On n'a pas le droit normalement de couper le champ puisque c'est de la nouvelle récolte. Il faut attendre le 16 Nissan. Ce qui se passe, c'est que j'ai une nécessité parce que je veux faire un cours de Torah dans mon champ. C'est le seul endroit où il y a. De ce fait, j'ai une permission pour couper le blé. Quand je coupe le blé, qu'est-ce que je vais en faire? Je le laisse jeter par terre? J'en fais des gerbes? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, la Mishnah enseigne, tu pourras le laisser en tzvatim. Tu as le droit de le regrouper en petits groupes, mais ne pas les attacher avec la ficelle. D'accord? Première interprétation de Barthénora. Deuxième interprétation de Barthénora, c'est que l'interdit est uniquement de faire des grandes gerbes, mais des petites gerbes, c'est permis. Bah, apparemment, c'est un niveau intermédiaire, c'est pour ça que c'est permis. Ensuite, mitzvah ta omer lavo menakama. Sache que la mitzvah du omer, je traduis tout après on explique, ça va être facile. Mitzvah ta omer lavo menakama, la mitzvah du omer, si tu veux la faire pleinement, il faut a priori amener de céréales qui est encore plantée au sol. Qu'elle est en train de. Elle est kama, elle est debout, c'est-à-dire qu'elle est en train de grandir et de pousser. D'accord? Lo matza, si toutefois tu n'as pas trouvé une céréale, un orge qui était encore pas coupé, alors yavi mina omarim, tu pourras aller voir, si tu vois s'il y a quelqu'un qui a des gerbes qui sont encore posées par terre, tu les prends, tu les jettes à posteriori, tu pourras ensuite les donner au Pédamigdash pour faire la mitzvah du Homer. Mitzvato lavo minalach, idem encore, la mitzvah. Donc, l'homme, si a priori tu les amènes quand c'est encore planté au sol, a posteriori tu pourras même les amener si tu les as déjà entassés. Mitzvato lavo minalach, a priori il faut apporter le homer à partir d'un orge qui est encore lach, qui est encore humide. Tu viens de le cueillir, tu l'amènes au Beth Amikdash, on va essayer de le sécher comme on avait appris avec le habou, et puis après il fallait le moudre. Et seulement après, on pouvait enfin faire le. Il fallait le tamiser 13 fois. Et seulement après, on pouvait faire la minchat haomer. Alors maintenant, donc, puisqu'il fallait amener un orge qui est encore humide, pour pouvoir à présent le sécher activement grâce au fameux habouf avec toutes les techniques qu'il y avait. Et ça, c'est déduit d'un passouk de la Torah. D'accord? C'est déduit d'un passouk de la Torah que je ne sais plus d'où. Mais à toi, le minalach, a dit-il Carmel, car. Rachmel, voilà, c'est là le limoud. Il y a marqué Velechem Vekali Vekarmel. Vekarmel, c'est un mot assez flou dans la Torah que le Chazal utilise pour interpréter Rach Vemal. A Kavana, il est souple, il est malé. Donc un orge bien plein. Donc Mizato Lavo Minalach. A priori, il faut l'amener quand il est encore lach, quand il est encore humide. L'Omatsa, il y avait une Yavesh. Si toutefois il ne l'a pas trouvé, il pourra quand même apporter du Yavesh, c'est-à-dire. D'une plus vieille récolte qui est sèche. C'est-à-dire, je récapitule. La mitzvah du homer, c'est effectivement de partir dans la chambre de cueillir l'orge qui est encore bien en train de pousser, que tu le cueilles. A posteriori, s'il a été cueilli, s'il a déjà été cueilli et tu n'as pas d'autres possibilités d'aller chercher de l'orge ailleurs, tu pourras le prendre. Et ainsi de suite. Il devrait être humide. S'il a eu le temps de s'assécher, vous savez bien, pour pouvoir faire de la bonne farine, il faut d'abord faire sécher le blé. Là, avec de la farine sèche, de la farine qui vient d'être cueillie, avec de l'orge qui vient d'être cueillie, c'est pas possible de tirer une belle farine. Donc il fallait le sécher. Alors la Mishnah vient me dire, sache que si toutefois tu n'as pas trouvé encore de céréales qui étaient encore debout, mais elle était encore sèche, et bien yavi mina yavesh, tu pourras apporter même si elle a déjà été asséchée. Mizato lektsor balayla. La Mishnah continue en enseignant. La mitzvah a priori, c'est d'aller le cueillir le soir, dès la sortie de Pessah. On va tous ensemble, on le cueille le soir. C'est déduit d'un pasuk sur ça, parce que la Torah m'a dit, Machel chermesh, bakama tachel ispor. Que depuis le moment où tu auras le droit de cueillir, tu commenceras à compter. D'un autre côté, tu me dis qu'il faut compter un compte entier du homer. Ça implique que ça commence le soir, c'est fini le lendemain. Donc tu me demandes de compter entier au moment où je vais venir cueillir. Donc ça veut dire qu'il faut, au moment où tu vas compter le homer, donc le soir du 16 Nissan, il va falloir que...
qu'est-ce que je veux dire, je me suis perdu. Depuis le 16 Nissan, ah oui, oui, donc depuis le moment où maintenant tu vas être apte à apporter le Homer, à compter le Homer, c'est le moment en fait où le pasuk il m'a dévoilé. Depuis, j'ai perdu le fil un peu, c'est pas grave. Depuis le moment où tu vas commencer à compter le Homer, c'est le moment où tu commences à moissonner ta récolte, donc tu moissonnes la nuit. D'accord ? C'est la déduction. Mais à tous les sorts, voilà, là. Maintenant, sache qu'à posteriori aussi, si vous n'avez pas pu, il y a eu un problème, vous n'avez pas pu couper l'orge le soir, eh bien, tu iras même en journée, Niktsar Bayom, tu pourras même aller le cueillir en journée. Vedochet HaShabbat, c'est dans toutes les circonstances, la mitzvah du Korban Omer repousse la mitzvah du Shabbat. C'est-à-dire, pour toi, c'est une grande règle pour la plupart des Korbanotes et tous les usages qu'on fait au Beth Amikdash, pour la plupart, quand ça tombait dans la configuration avec Shabbat, eh bien la mitzvah du Beth Amikdash repoussait le Shabbat. Il y avait une dérogation spéciale. Comme nous, on fait le Brit Mila, par exemple, quand ça tombe le Shabbat, on fait un Brit Mila le Shabbat, bien qu'il y ait un interdit de la Torah de faire sortir du sang. Eh bien, la même chose pour toutes les mitzvot qu'on faisait au Beth Amikdash, la plupart, elles repoussaient le Shabbat. Et c'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de la Slacha Kol Tov.